Bienvenue dans cette nouvelle édition de Fashion News sur Fashion Africa Channel où l'on vous présente les dernières actualités et tendances de la mode africaine. Je suis Brian de Romeo Cosos et c'est parti. Sam Adegog apparaît dans le dernier numéro de magazine GQ Afrique du Sud. L'acteur nigérien-américain Sam Adegog a récemment été présenté dans le magazine GQ South Africa. Et nous sommes obsédés par le style incroyable de la star tout au long de la diffusion. Photographié par Delvin Adams et habillé par Sarah Jouf, Sam part à la publication de la culture, de la représentation à l'écran et à la participation à la série Netflix Dynasty. Pour le premier look de la série, Sam étourdi dans la chemise en soie imprimée de Rich Mancy et le chapeau saut assorti, complétant le look dans un pantalon blanc. Répondant à la question sur la mise en lumière de nombreux créateurs africains, en ces termes, j'adore mon pays, j'aime notre continent, je voulais juste nous voir davantage sur les grands écrans du monde occidental parce que nous influençons énormément la culture mondiale, de la nourriture à la mode en passant par la musique et la danse. Ensuite, la star a l'air puissamment pimpante avec un costume Tongoro personnalisé et des chaussures Gucci. Répondant à la question sur sa réflexion à propos de la sous-représentation de la culture à la télévision ou au cinéma, l'acteur dit « Cela dépend vraiment de l'objectif ou de la perspective que nous examinons pour moi ici à Hollywood. Il y a une sous-représentation massive de quelque chose qui me passionne, ce sont les histoires africaines. » Je pense que nous assistons actuellement à une belle renaissance dans la narration des Noirs. Mais la raison pour laquelle j'ai proposé que mon personnage Jeff soit nigérian, c'est parce que je pensais que c'était une opportunité de s'appuyer sur cette renaissance que nous voyons des histoires noires et d'insuffler un Africain aussi. Pour le look final, Sam porte un superbe ensemble bleu de la marque ivoirienne de vêtements pour hommes, Holo, associant le look à des baskets Veja blanches. Rihanna a tout pour elle, artiste, chanteuse à succès, PDG de l'une des plus grosses marques américaines de produits de beauté, dont le chiffre d'affaires cette année a officiellement passé la barre du million de dollars, déclare le magazine financier Forbes. Et s'il semble que notre chère Bad Gal Riri ait l'industrie de la musique et du cosmétique à ses pieds, eh bien, il va sans dire que le monde de la mode l'est aussi. La chanteuse et femme d'affaires a toujours été une lanceuse de mode, suivie par plus de 100 millions d'abonnés sur Instagram. Côté style, Rihanna est l'une des favorites des internautes. On la voit couramment habillée par les plus grands créateurs lors des différentes cérémonies dont on rêve tous d'y participer, comme le Gala du Met, les Video Music Awards ou les Grammys. Bref, à chaque red carpet, au fur et à mesure des années qui passent, nous sommes toujours aussi satisfaits des looks de Riri. Ces derniers mois, l'artiste a été photographié dans des tenues très stylées à l'image de sa personnalité rebelle et sexy, un genre qu'elle seule peut se le permettre. Et vous savez quoi? C'est un 20 sur 20 du streetwear à du chic et décontracté et une touche de glams, la princesse de la Barbade peut tout porter. Voici une sélection de lunettes solaires à porter quand il fait chaud. Il n'y a pas de doute, il fait chaud. Et par ces temps ensoleillés, protéger son corps et ses yeux des rayons deviennent des impératifs. Pour cela, on sort notre accessoire indispensable et incontournable après le sac à main, les lunettes de soleil. Avec les tendances qui sortent de partout, on peut bien se passer des modèles classiques. Les styles oversize et vintage font chemin ensemble depuis peu et ça, on ne peut le nier. Monture plate en forme papillon, arrondie ou large, colorée ou neutre, se retrouve chez toutes les influenceuses mode et célébrités. À vous de trouver celle qui matchera le mieux avec votre humeur et personnalité. À la rédaction, notre gros coup de cœur, c'est la monture E de Chia. On adore son allure féminine et glamour. Parcourons ensemble les inspirations que nous avons dénichées pour vous. Source Elsie.
Les trois traitements de soins de la peau formidables pour votre peau éclatante. Il y a 1 001 000 problèmes de peau qui affectent la peau chaque jour. Parfois, un traitement de soins de la peau chez les médecins peut être coûteux et prendre du temps. Avez-vous cherché à résoudre vos problèmes de soins de la peau avec des ingrédients que vous avez chez vous? Alors, vous êtes sur le bon article. Voici les 3 meilleurs soins de la peau avec des remèdes de beauté faits maison pour avoir une peau lisse et éclatante. Masque anti-âge au cacao. Un masque au cacao décadent et riche en antioxydants reconstitue l'hydratation et donne à la peau une apparence jeune et restaurée. Au fur et à mesure que la peau vieillit, la barrière d'humidité commence à se décomposer, entraînant une sécheresse et la couche immature de la peau s'affaiblit. L'hydratation est le plus important économiseur de la peau à ce stade. Prenez note. Comment faire? Mélangez une cuillère à soupe de cacao en poudre avec une cuillère à soupe de crème sûre, une cuillère à soupe de miel et un blanc d'œuf. Appliquez sur le visage et laissez sécher avant de rincer. Les ingrédients puissants en font une crème merveille multitâche. Lait nourrissant, trempage pour les mains. Le trempage au lait chaud est très bon pour adoucir les mains qui travaillent dur. C'est un soin de la peau que peu de gens connaissent mais qui fonctionne à merveille. Faire tremper les mains dans du lait chaud va très loin et aide à créer une surface douce pour la peau des mains. Comment faire? Chauffez 2 à 3 tasses de lait entier, assez pour immerger complètement les deux mains au micro-ondes jusqu'à ce qu'il soit chaud. Versez un bol de lait, laissez tremper les mains pendant 5 à 10 minutes, permettant à la graisse du lait de s'hydrater, aux vitamines A et E de nourrir la peau sèche. L'huile de coco hydratant les cuticules. L'huile de coco possède une nutrition supplémentaire sur les cuticules sèches. L'huile lourde fournit une hydratation durable. Frottez simplement une petite quantité sur chaque doigt et induisez-le d'une pellicule de plastique pour les laisser pénétrer. L'huile de coco est aussi vieille que le temps et est très efficace pour la peau et les produits de beauté. Et voilà, c'était tout pour aujourd'hui sur Fashion News. N'oubliez pas de nous suivre sur Instagram, Facebook et Twitter. Je suis Brian Normeux, Kozos, à la prochaine et surtout gardez votre passion pour la mode africaine.